Ok, aujourd'hui, on va apprendre à créer une très belle bannière YouTube comme celle-là. Donc, cette bannière, je vais vous apprendre à la créer avec ton téléphone portable. Donc, on est parti. On se retrouve sur ton téléphone portable. Donc, quand tu te retrouves sur ton téléphone portable, tu vas aller sur l'App Store et tu vas télécharger une application qui s'appelle Canva. Quand tu l'auras téléchargé, tu vas ensuite l'installer et l'ouvrir. Et ensuite, ce que tu vas faire, tu vas chercher en haut ici YouTube. Chez moi, ça sera YouTube Channel Art. Chez toi, ça sera sûrement illustration de chaîne YouTube. Moi, ça sera YouTube Channel Art. Et là, maintenant, tu auras plusieurs modèles à choisir que tu pourras maintenant modifier en fonction de ta chaîne YouTube. Donc, on va choisir un modèle qui nous plaît bien ici et on va... Disons celui-là. Celui-là, il me plaît bien. Voilà, celui-là, par exemple. Disons si c'était une chaîne de cuisine ou un truc comme ça. Donc, on va maintenant taper dessus et on va commencer à le modifier. Tu vas pouvoir zoomer et là, tu pourras modifier et mettre le titre de ta chaîne YouTube, par exemple. Cook, disons, with Annie. Voilà le nom de ma chaîne YouTube. Et maintenant, tu peux mettre, par exemple, tu peux mettre que tu publies des vidéos chaque vendredi. Vidéo chaque mercredi. Et vendredi. Ta bannière déjà elle commence à prendre vie et maintenant tu pourras changer la photo de fond. Pour changer la photo de fond, déjà on va aller chercher une photo. On va chercher une photo de, you know, cooking et chercher une image, peu importe laquelle. Disons celle-là elle nous plaît bien. Donc on va télécharger cette image là. On va l'enregistrer. Voilà. Et on va retourner dans Canva maintenant. On va cliquer ici et on va aller dans replace. Replace ici. Chez toi, ça sera sûrement remplacé. Et là, maintenant, tu vas chercher l'image. Tu vas aller dans Upload, aller dans ta librairie. Et on va rajouter cette image-là. Voilà. Et là, maintenant, ça sera Cook with Annie. Vidéo chaque mercredi, vendredi. Et là, maintenant, ta bannière, elle est bien belle. Elle est prête. On va juste l'enregistrer et faire sauvegarder ici. Donc, ça va te préparer ta bannière et ça l'a enregistré dans ton téléphone portable. Donc, lorsque tu auras fini d'enregistrer ta bannière que tu viens de créer, tu vas aller maintenant dans ton navigateur, que ce soit Google Chrome, et tu vas aller sur youtube.com. Donc, maintenant, lorsque vous serez connecté sur votre compte YouTube, vous allez cliquer sur votre image en haut à droite ici encore et vous allez cliquer sur ordinateur. Ça nous ouvre maintenant la version ordinateur de YouTube. Donc, ce que tu vas faire, tu vas cliquer sur ton image ici. Tu vas aller dans Creator Studio et tu appuies sur accéder à Studio. Voilà. Ensuite, maintenant, tu vas venir ici. Tu vas cliquer sur cette icône-là, celui-là, personnalisation. Tu vas aller dans Branding. Et là, maintenant, tu pourras changer la bannière. Tu vas cliquer sur Modifier la bannière. Et tu vas aller chercher l'image que tu viens de créer. C'est celle-là. Et on va choisir. Et ça va se faire automatiquement. Donc, tu n'as pas besoin de changer quelque chose. Tu appuies juste OK. Voilà. Et là, maintenant, tu fais publier. Donc, maintenant, quand tu vas retourner sur ta page YouTube, tu vas voir que ta bannière a été actualisée. Donc, c'est tout pour ce